Salut, salut à tous, c'est The Big Boss 83 300. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo pour une nouvelle vidéo spéciale 4000 vues sur Rugby Challenge. Ah oui, déjà 4000 vues. Alors, je vais simuler la finale du Top 14 qui opposera le Rugby Club Toulonnais au habitude du stade français au Castres olympique. Alors pour hop. Ah merde, la nuit. Et pour les équipes, vous verrez. Ah aussi, il y a quelque chose de spécial que vous verrez aussi, hein. Si vous voulez savoir comment le faire, vous m'enverrez un message. Allez, c'est parti, je lance l'intro. Allez, à plus. Voilà, l'intro est lancée et aujourd'hui, donc pour cette finale de Top 14, les Toulonnais peuvent réaliser le doublé qui serait historique. Allô? Oui, donc j'ai un petit bug de micro, désolé. Donc comme vous voyez, c'est une équipe au complet, hein. Je vois pas ce qui pourrait changer, peut-être Mermoz, enfin Bastaro à la place de Mermoz. Et oui, donc vous avez vu la particularité de ce match. Il y a des spectateurs. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous voulez savoir comment avoir des spectateurs, vous m'envoyez un message, vous vous abonnez, non, je rigole. Et je vous dirai, le coup d'envoi est lancé par les castrés. Guitour, Salou sur les côtés, Mermoz, Sheridan, Wilkinson. Wilkinson a trouvé l'axe. Wilkinson pour son avant, enfin son talonneur plutôt. Sheridan, hop là, il fait une mauvaise passe à Stephen Armitage. Matt Guiteau, Palisson qui remet sur Guiteau. Stephen Armitage qui trouve le trou et qui est arrêté. Oh là là, mauvaise réception. Oh là là, mauvaise passe et intervention du 3 quarts centre. Et c'est premier essai pour le Castres olympique dans cette finale. Alors, un coup dur pour le RCT alors d'une mauvaise passe entre Sheridan et Botta. Et là, plusieurs joueurs à la traîne. Ils essayent de revenir, mais trop dur. Voilà, essai entre les poteaux. Ce qui donne un score de 5 à 0 à la 10e minute avant la transformation. Qui normalement passe. Et voilà, ce qui donne un score, un avantage, un score de 7 à 0 en faveur du Castres olympique. Michalak est prêt à redonner à remettre le ballon en jeu. C'est parti. Peut-être une récupération. Ah là là, Wilkinson la met en touche. Dommage, il aurait pu attraper. Alors les Toulonnais sont assez performants en touche, enfin dans le jeu, hein. En vrai, ça dépend des joueurs. Et attention, et comme ce que je vous ai dit, récupération. Stephen Armitage. Wilkinson a vu le trou, oh là là, en avant de Johnny Wilkinson. Déjà qui a mis en touche, en plus, en avant. Wilkinson qui a été l'homme décisif de Toulon cette saison. Attention, nouveau turnover. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait en avant. Ah dommage. Là, c'était un essai. Un quasi essai pour leur CT. Première mêlée du match. Voilà, en faveur du Castres olympique. Mais les Toulonnais peuvent la renverser à tout moment. Non, ils ne le feront pas. Alors peut-être que vous avez appris qu'il y a le Rugby Challenge 2 qui va sortir sur Xbox et sur PS3 et à plus tard sur PC. Attention, nouvelle percée de Castres. Mais les Toulonnais l'arrêtent net. Ils repartent. Ouh, gros plaquage de Michalak et peut-être une récupération du RCT. Oui, récupération du RCT. Magnifique récupération. Guiteau part sur le côté. Bruno. Ouah, Smith à la balle. Attention, il est dangereux pour le Castres. Botta en position de demi d'ouverture, de demi de mêlée. Le jeu est bien fait. Guiteau a trouvé le trou. Guiteau remet sur Wilkinson qui n'arrive pas à accélérer. Palisson a vu le trou, oh là là.
Oh là là, récupération. Il n'y a personne au déblayage. Peut-être une récupération détournée. Oui, car il n'y a personne au déblayage pour Castres. Alors peut-être un drop des Toulonnais. On ne sait pas encore. Suisse. Hop là. Oh là là. Aïe Botta. Hop là. Il récupère la balle avant que ça parte en touche. Les Toulonnais reculent. Eman. Sheridan. Il joue avec les gros Toulonnais. Oh là là. Des passes pour personne. Heureusement que Palisson récupère la balle. Ils ont quand même reculé au moins de 40 mètres. Bruno. Wilkinson en position d'ailier. Il remet intérieur sur Eman. Qui remet sur Palisson. Palisson seul sur le côté. Le crochet de Palisson. Et Palisson glisse. Ah oh là là. Il est repris. Attention. Souta. Eman. Palisson. Palisson. Qui accélère et qui va marquer. Entre les poteaux pour les Toulonnais. Magnifique essai de Alexis Palisson à la 57e minute. Alors là, on voit quand même un beau travail collectif. Alors on voit Souta qui remet sur Eman et Eman fixe le défenseur et il met sur Alexis Palisson. Alors c'est énorme cet essai qui relance totalement la partie. Transformation de Johnny Wilkinson peut-être qui remettrait les équipes à égalité. Oui, certainement, si le vent... Voilà, ça passe entre les poteaux et ce qui nous naisse. À mi-temps, un score de 7 à 7. C'est un match nul, enfin, c'est une mi-temps nulle et pourtant, la possession est largement en faveur du RCD, 62%. Mais bon, tout peut arriver. Ah, on va quand même. Erreur de passe, 9 erreurs de passe, c'est pour le Castres Olympique, 0. 28 plaquages pour le Castres Olympique, alors que pour le RCT, que 4 plaquages. C'est pas beaucoup, hein. Libération de balle, 45 pour les Toulonnais. Allez, Michalak va relancer ce match, la deuxième mi-temps de ce match, avec un coup de pied lointain. C'est parti, deuxième mi-temps, et le score n'est toujours pas décidé. Le vainqueur n'est toujours pas décidé. Alors là qu'on voit les Castrés se sortir de leurs 22 mètres. Alors, les Toulonnais vont-ils faire leur technique? Si Bruno réussit à touche. Oh là 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 là. Complètement dévissé. Oh là là, c'est vraiment grave là. Alors là, désolé, mais là, vraiment, touche de merde. Allez, ce qui donne mêlée pour Castres. Toujours en faveur du Castres. Il n'y a jamais encore eu de mêlée pour les Toulonnais. Hop là, les Castrés dominent cette mêlée et vont relancer à droite. C'est parti. Attention, un... Oh non, dommage. Un plaquage haut apparemment. Ah oui, un gros plaquage de Michalak. Que vont-ils faire? Ils prennent la pénale touche. Peut-il la récupérer les Toulonnais? Non, elle va direct en touche. Ce qui donne une touche environ ouais, aux 10 mètres, aux 40 mètres plutôt des Toulonnais. Voilà. Attention. Ouah, presque récupération des Toulonnais. Attention, l'ailier va faire un... Oh là là, magnifique touche trouvée. Qui n'est même pas allé directement en touche. Alors les Toulonnais retentent une belle touche. Ah là là, voilà une belle touche. Qui va atterrir sur Botta. Botta sur Michalak. Michalak est pas sur le côté. Va-t-il être arrêté? Oui, mais il fait un raffut. Oh là là! Oh là là, dommage qu'il ait rattrapé. Au dernier moment, Botta. Botta peut-être pour laisser des Toulonnais. Oui! Botta marque à la suite d'une longue percée de Michalak sur l'aile. Alors une technique qui marche vraiment très bien sur ce jeu. Alors là, on voit le Bourraffut, mais il se fait rattraper par le rallye. Et là, Botta essaye d'accélérer. Et là, il se fait rattraper au dernier moment, mais est déjà dans le but. Oh là là, magnifique essai de Botta, qui est à l'initiative. Transformation de Wilkinson qui pourrait donner un avantage de 7 points.
pour les Toulonnais. Mais je pense pas que ça passera. Voilà, largement à côté. Ce qui donne un score de 12 à 7 à 10 minutes de la fin de ce match. Les Toulonnais ont une avance de 5 points, mais à tout moment peuvent être rattrapés. Nous allons suivre ce match à suspense, là maintenant. C'est chaud. Allez, plus que 7 minutes, Toulonnais. Non, désolé. Ça a coupé. Oh là, attention! Les castrés sont encore très dangereux. Il faudrait que les Toulonnais récupèrent la balle. Oh, gros plaquage de Sheridan qui réussit à le mettre au sol. Ils vont jouer sur les extérieurs. Comme cela. Oh là là! Attention, Stephen Armitage. Bruno. Michalak pour plaquer. Oh là là! Ouh, attention! Plaquage de Palisson juste devant la ligne. C'est chaud! Oh là là! Oh là là! Peut-être une récupération. Non, toujours pas. Les castrés gardent leur balle. Attention, ils vont jouer sur leurs ailes. Oh là là, il y a un surnombre. Oh là là! Essai! Oh là là, essai à la 86e minute de Castres en bout de ligne. Oh là là là, les castrés peuvent encore gagner ce match avec cette transformation. Et ça passe à côté! Ça passe à côté! Oh là là, ça magnifique, ça passe à côté. Donc j'ai envie de dire que ça nous donne un match nul. Donc je décide de refaire ce match. Êtes-vous d'accord? Je pense que oui. Bon. Ouh là là, la possession s'est complètement inversée. Les castrés ont complètement renversé la possession. Bon je redémarre le match comme si c'était les prolongations, mais qui durent 80 minutes. Allez, donc c'est reparti pour ce match. Oui, j'ai pas mis d'intro, mais bon. C'est quand même si c'était la suite. Hop là, Mermoz récupère. Stephen Armitage. Smith. Smith. David Smith sur le côté. Longue percée de David Smith. Leur ailier ne fait rien du tout. Smith peut-être pour un essai pour les Toulonnais. Entre les poteaux. Oh là là, David Smith pour une percée de au moins trouver un mec sur le côté. Alors là, David Smith a complètement laissé la défense adverse sur les fesses, j'ai envie de dire. Même si le centre n'a pas beaucoup bougé chez eux. Oh là là, magnifique essai, ce qui donne un score de 5 à 0 avant transformation. Et si c'était le match, un score de 17 à 12. Johnny Wilkinson. Et normalement, poteau peut-être. Non, ça passe. Ça passe. Ce qui donne un score de 7 à 0 en faveur des Toulonnais. Je dirais le score officiel s'il y avait eu. Enfin, si c'était des prolongations à la fin du match. Parce qu'à chaque fois, faut que je convertisse. Ça va être long. C'est reparti. Les Toulonnais ont bien commencé ces prolongations. Mermoz récupère encore la balle. Voilà. Il essaye de. Voilà, c'est un peu bizarre ce qu'ils font étonner. Ils vont peut-être perdre la balle. Non, Palisson. Palisson percé de Palisson. Il essaye le crochet mais se fait arrêter. Bruno. Sheridan. Oh là là, mauvaise passe de Sheridan. Van Niekerk, allez trouver le trou. Encore Palisson. Palisson pour la touche. Touche des Toulonnais. Touche pour Castres. Alors que les Toulonnais ont tenté une relance. Voilà, vont-ils conserver la balle, les castrés sur cette touche? Je pense que oui. Eh ben non, c'est les Toulonnais qui rattrapent cette balle. Oh là là, ouf, encore une mauvaise passe de Sheridan. Sheridan là, il fait que. Oh là là, Alexis Palisson, blessure d'Alexis Palisson au genou. On va faire rentrer Martin. Et je vais aussi faire rentrer à la place de Mermoz. Pastaro. Hop là. Je sais pas s'il va rentrer aussi. Non. Bon, au prochain arrêt de jeu, il rentrera. Première mêlée du match pour les Toulonnais. Oh là là. Hop là. Les Toulonnais arrivent à conserver leur balle. Voilà. Ah, ils avancent. Ils avancent un tout petit peu, mais ils avancent. Voilà. Ils ont réussi à conserver la balle. C'est reparti plein centre avec. Ah oui! J'avais pas vu que Bastaro était rentré. Ah là là. Alors là, Matguito récupère la balle alors qu'il était par terre. Hop là. Crochet
de Bastaro. Mazoué en position d'ailier. Ah, mauvaise passe. Wilkinson récupère. Le jeu est fluide, mais les mauvaises passes font des approximations dans le jeu toulonnais. Il n'y a qu'une personne au déblayage qui est Sheridan. Et Wilkinson arrive et aussi, j'ai pas vu, normalement c'était Fenner mi-tête. Smith. Pour Botta, mauvaise passe de Smith. Et Michel Cribert peut-être un turnover. Non. C'est la mi-temps des prolongations, mais Toulonnais joue la balle. Il la font vivre. Matt Guiteau peut-être le trou avec son ailier. Wilkinson. Ah là là. Michalak seul, encore une fois. Peut-être un drop des Toulonnais, mais même si là ils sont contre le vent. Hop là. Le ballon se joue bien. Attention, on va aller peut-être vers l'axe avec David Smith, auteur du premier essai. Hop là. Ah non, non. Oh, attention, et un surnombre. Michalak est seul. Oh, gros plaquage du Michalak. Peut-être un nouveau turnover car il n'y a personne au déblayage chez Castres. Oui. Stéphane Armitage, j'entends que position de demi de mêlée. Attention. Oh là là, décalage sur le côté. Oh là là. Là là. Oh là 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 là. En avant de Johnny Wilkinson. Alors que les Toulonnais auraient pu faire une bonne relance. Ce qui est porte un score aux prolongations de 19 à 12 et ce qui met les Toulonnais dans une bonne position pour le bouclier de Brennus. Là, on voit déjà encore beaucoup d'erreurs de passe, 11, alors que la première mi-temps du match était de 9. Ils en ont fait encore plus. Bon, allez. C'est reparti. Les Toulonnais ont le vent en poupe. Allez. Il joue sur le côté. Oh là là, il n'y a personne qui va assez vite pour aller chercher la balle. Matt Guiteau. Attention, les en avant des castrés. Guiteau a fait une passe pour son demi de mêlée. Je me demande à quoi ça a servi. Hop là. Passe lobé. Les Toulonnais, j'en passe lobé. Astaro. Astaro, peut-être en puissance. Oui, un plaquage. Il donne à Stephen Armitage. Qui redonne à personne. Oh là là, attention, il est seul. Ouh. L'arbitre revient à l'en avant de tout à l'heure. Allez. Toulonnais peuvent encore faire une très bonne mêlée et aller peut-être marquer un essai. Alors là, déjà, c'est mal parti. Oh là là, oh là là, les Toulonnais se font carrément percuter en mêlée et perdent de la balle. Ouh, gros plaquage de Michalak. Ouh, Smith aussi. Les deux joueurs sont envoyés en touche. Les deux, non, plutôt les deux. Allez. 2 secondes. Voilà, désolé, complètement désolé. Oh non, 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 en plus, ça continue à jouer. Perte de temps, allez. Ah. J'ai été interrompu là, il peut pas comprendre ça l'arbitre. Donc les castrés demandent la mêlée. Allez, c'est reparti. Les Toulonnais vont essayer de tourner la mêlée. Hop là, allez. Ils poussent les Toulonnais. Ils veulent garder leur avance à 20 minutes de la fin du match. Oui! Oui, les Toulonnais récupèrent la balle. C'est reparti. Michalak. Ou Martin. Martin sur le côté. Va-t-il marquer un essai en coin? Non, il se fait reprendre. Matt Guiteau, non. Matt Guiteau assure une mauvaise passe pour son demi d'ouverture, Johnny Wilkinson. Oh là là. Ça, c'est une action de. Bah. De décès, ça. Ah oui! Mais récupération des Toulonnais. Hop là. Ils reviennent à l'intérieur avec Eman. Il y a un surmont sur le côté. Martin. Il préfère aller marquer seul. Martin, le jeune Martin, inscrit le quatrième essai. Le deuxième essai des Toulonnais dans cette prolongation. Et le quatrième essai des Toulonnais dans le match. Alors là, c'est quand même un personnel lors d'une touche. Gagné. Là, on voit Eman qui donne à Sheridan et là, crochet. Et là, il met le rallye dans le vent et aplati. Qui porte le score dans ses prolongations de 12 à 0. Oh là là, Johnny Clinton. Sur deux essais, mais il en a raté deux. Il a 50% de réussite. 5 minutes à tenir pour les Toulonnais et le score se porte à 24 à 12. Encore tout est possible pour Castres. Mais bon. Il faut plus trop expérimenter. Ah là là, en plus récupération des cases.
Crochet sur Johnny Wilkinson, surnombre. Bruno réussit à l'arrêter. Eman. Allez. Il n'y a pas de Toulonnais pour contester cette balle. Plaquage. Gros plaquage de Michalak encore une fois. Je pense qu'ils vont jouer à la main de toute façon. Voilà. Ils jouent à la main. Même s'ils ont perdu le match, ils en veulent encore. Allez. Voilà, je sais pas depuis quand vous ne voyez plus le match. Oh là là, et c'est encore à la 85e minute, comme au match d'avant. Oh là là, ça par contre, ça me tracasse. Oh là là, magnifique, tiens, on va la percer. Et là, je ne jouais plus du tout. Parce que je m'intéressais à combien de temps vous avez vu de ce match. Ce qui va porter le score à... Donc, dans ces prolongations de 12 à 7. Et les Toulonnais remportent le bouclier de Brennus. Sur un score de ce match de 24 à 19. C'était un match rude. Mais ils l'ont remporté avec les manières. Donc là, on voit la possession nettement pour les Toulonnais. Même si ça a redescendu. Donc, vous pouvez toujours voter pour l'essai de ce match. Et je ne sais pas pour la coupure, mais je suis complètement... Désolé, je mettrai quand même cette vidéo en ligne parce que je suis donné corps et âme quand même. Et donc, bah, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, mettez un commentaire et puis bah, à plus. Allez, salut, salut, c'était The Big.